Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information ce soir est heureuse de vous proposer une nouvelle soirée dans le cadre du cycle Place aux revues, auquel vous avez peut-être déjà assisté dans les mois passés. On doit être à peut-être la septième ou la huitième édition de ce cycle qui prend des formes très diverses en fonction des invités que nous avons, de ces revues avec lesquelles nous travaillons. Et nous mettons en place, enfin, nous concevons ces différentes séances avec Entrevues, dont André Chabin est ce soir le digne représentant et l'animateur, et à qui je vais laisser la parole pour qu'il vous présente un petit peu les revues qui ont travaillé avec nous pour le programme de cette soirée. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Donc, effectivement, nous avons le plaisir d'être accueillis régulièrement, de travailler avec la BPI pour ce cycle Place aux revues. Nous l'en remercions. Et je remercie les deux revues qui ont accepté de jouer un jeu difficile avec nous. Je dirai tout à l'heure pourquoi. Donc, la revue Volume, avec un point d'exclamation, elle existe depuis une douzaine d'années, si je ne m'abuse. Et la revue Audimat, qui existe, elle, depuis 4 ans ou 5 ans, peut-être, mais de manière assez intermittente, en tout cas non régulière, me semble-t-il. Le grand mérite de ces revues, c'est de s'intéresser à des objets, à un objet, plusieurs objets d'ailleurs, parce qu'il est très divers, qualifiés de mineurs, secondaires, voire trivial. En tout cas, les musiques populaires sous des formes et des continents divers, avec des formes, je l'ai déjà dit, diverses. Et il me semble que c'est là une des plus belles choses que puisse faire une revue. Créer des objets, leur donner une dignité intellectuelle, critique, frayer des voies nouvelles, nous amener vers ce qu'on ne sait pas. Et en l'occurrence, pour moi, ce soir, le sujet qui va être abordé était totalement inconnu. C'est pour ça que j'ai eu plaisir à y participer, en tout cas sur le rivage de cet objet. Donc c'est pour ça qu'il faut vanter le travail qu'elles commettent l'une et l'autre, l'une dans un cadre très universitaire, tout à fait avec une volonté de légitimation de l'objet, l'autre toujours avec une parole universitaire, mais dans un cadre qui lui ne l'est pas. Donc deux manières différentes d'aborder ce continent à la fois qui tapisse nos mémoires, nos têtes, nos vies, et que parfois on ne se donne pas la peine de penser, qui est la musique populaire, et précisément ce soir, la pop. Et je sais qu'un nom propre va être prononcé très souvent, donc je me dispense, moi, de le prononcer. En tout cas, merci les garçons, et merci le groupe que vous avez convaincu de préparer cette soirée avec vous, car c'est en fait c'est quelque chose de très difficile qu'on demande aux revues. On leur demande, elles qui ont l'habitude de construire leur univers propre, de travailler à l'édification d'une petite maison commune, éphémère, qu'elles ont envie de faire partager. Donc ce soir, nous vous invitons à écouter, à pénétrer dans les chambres qu'elles ont préparées pour vous. Bonne soirée à vous deux. Ah oui. Donc on va laisser la parole à Guillaume Huguet et Michael Spanu qui vont animer et vous présenter la première partie de la soirée. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Merci Jérémy et André. Tout simplement, l'idée de cette soirée, elle est venue quand ils nous ont contactés, suite notamment à la sortie de ce numéro de volume avec Ma gueule de métèque qui traitait de chansons et immigration. Et si vous voulez, ce numéro, il visait vraiment à redonner une place, donc c'est un numéro visé essentiellement historique, redonner une place aux artistes d'origine immigrée dans le patrimoine de la chanson française. Donc il y a vraiment une dimension patrimoniale à ce numéro. Et toutefois, il restait quand même des questions en suspens sur, si vous voulez, un regard critique. Il manquait un regard critique sur la manière dont la musique et les musiques populaires offrent un espace politique de représentation des minorités ou des groupes minorés. Et donc, en discutant, on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler sur ça ensemble. En fait, pour la revue, pour le côté revue Audimat, ouais, en discutant avec Michael, en fait, c'est parti tout simplement d'une actualité, parce que c'était le moment
où Beyoncé en fait venait de sortir le clip de Formation que vous avez peut-être vu, puis où elle a fait cette performance au Super Bowl où elle est arrivée avec ses danseuses déguisées en Black Panther. Donc ce que je vous propose en fait c'est juste de regarder le clip parce que c'est un peu le point de départ de notre discussion avec Michael et des questions qu'on s'est posées et auxquelles nos invités vont répondre ce soir. Donc voilà, donc c'est un clip, c'est un clip qui est fait de plein de références en fait à l'histoire des droits civiques. Il y a un moment où elle parle en fait d'être fière de son nez de nègre façon Jackson 5. Et il y a vraiment un côté comme ça d'affirmation identitaire en fait. Et c'est pas, évidemment, c'est pas enfin c'est un sujet d'actualité qui commence pas avec ce clip là. En fait, un article qui m'avait déjà interpellé avant, c'est un article du magazine américain Feder qui disait est-ce que la justice sociale est devenue cool, et qui commençait à parler en fait de la manière dont plein de chanteurs, chanteuses américains de variété, de pop, de R&B, en fait du haut des charts américains, commençaient à de plus en plus, de manière de plus en plus assumée en fait, d'après l'article. Amener comme ça des revendications identitaires. L'article prend l'exemple en fait d'un morceau de Usher qui s'appelle Chains. Et pour accéder au morceau, il fallait pour pouvoir le télécharger en ligne sur un site internet, en fait, il fallait accepter de regarder des vidéos de Noirs américains qui avaient été tués et victimes, enfin assassinés en fait dans des crimes raciaux dans les dernières années. Et voilà, il y a plein d'exemples de ce type. Il y avait donc le clip qui s'accompagnait du hashtag Don't Look Away, ne regardez pas ailleurs. Et donc c'est voilà, ça semble vraiment un espèce d'air du temps sur le fait que de plus en plus, quand on est un chanteur ou une chanteuse à succès, on peut affirmer des choses politiques comme ça dans l'espace public. Voilà, il y avait aussi le je ne sais pas si vous avez vu l'intervention de Kendrick Lamar au Grammy Awards qui arrivait avec des chaînes d'esclaves, etc. Donc il y a eu beaucoup d'actualités à ce niveau-là. Et puis les médias ont réagi, en fait. C'est ça, bizarrement, c'est aussi le fait que les médias aient réagi qui nous a fait réagir, nous, en disant, voilà, il y a vraiment un emballement médiatique autour de ces questions-là. Donc nous, on a envie de questionner à la fois la musique, ce qu'elle dit, ce qu'elle représente, comment elle fait sens, etc. Mais aussi la manière dont les médias participent à ça. Et donc j'espère qu'on pourra aborder ça aujourd'hui, et en tout cas dans les questions qui se posaient évidemment et qu'on va reposer ce soir, il y a l'opposition claire entre les artistes qui seraient trop mainstream pour pouvoir avoir un positionnement politique, finalement ce serait que du marketing, une manière de redorer leur image, etc., versus des artistes qui seraient véritablement engagés, eux, sur le long terme, etc., et qui ne seraient pas soumis à ces questions-là du marché. Donc, voilà. Donc voilà, comme c'est vraiment le mainstream musical auquel on va s'intéresser aujourd'hui, on pourrait se dire ouais, c'est du marketing en fait, c'est pas vraiment important. Et en fait, on a voulu juste prendre ça au sérieux, se dire bon, est-ce qu'il y a un sens là-dedans, est-ce que ça peut vraiment porter, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de politique qui peut se passer là-dedans. Et pour y répondre, en fait, on a demandé à différentes personnes qui ont chacun traité la question d'une manière un peu différente. On a demandé à Agnès Guéraud, qui est journaliste à Libération, philosophe et musicienne. On a demandé à Jean-Marie Seca, qui est professeur de sociologie à l'Université de Lorraine, qui a travaillé sur la représentation du politique en musique, sur les sous-cultures. En fait, la question qu'on leur a posée dans l'ensemble, c'est ça, c'est de savoir si les artistes mainstream pouvaient apporter quelque chose à la critique sociale, à l'émancipation, à la politique. Et quelle forme ça prend exactement? Est-ce qu'il faut y voir une fierté identitaire, ou est-ce que ça permet d'attirer l'attention sur des problèmes de racisme, par exemple? Et quelle place ça prend, cette forme d'engagement, en fait, dans l'histoire de l'engagement en musique et dans les musiques populaires? On a aussi demandé à Karima Ramnani, qui est chercheuse en sciences politiques, et à Émilie Lesteri, qui est journaliste à Vice, à Mademoiselle et à France 24. C'est une question qu'on se pose beaucoup à partir d'exemples américains, et on s'est demandé avec elle, dans le contexte français, est-ce qu'on pouvait voir le même genre de phénomène. Voilà, donc c'est les questions qu'on va se poser avec eux ce soir, et on va commencer
Et on finira par une performance de Pamina de Coulon, qui est auteure, qui est performeuse, qui est fan un peu contrariée de Beyoncé, et qui a un peu l'habitude de faire des performances conférences où elle parle un peu de ce qui la regarde pas, elle se pose des questions. Et elle viendra un peu clôturer la soirée sur ce thème-là, parce que derrière tout ça, il y a une question qu'on se pose beaucoup en ce moment, savoir la légitimité de parole, en fait. Qui a le droit de parler de quoi? Qui a le droit de parler des minorités? C'est quoi la bonne manière de le faire? Et qu'est-ce que ça provoque? Est-ce que ça a vraiment un sens de le faire, en fait? Et on va commencer avec toi, Agnès, si tu veux bien. Oui. Non, en fait, on va commencer avec Agnès et Jean-Marie Seca. Donc, je vous demande de les accueillir, s'il vous plaît, avec un peu d'applaudissement. Alors, merci à vous deux déjà d'être présents, d'avoir répondu présent à cette invitation. Donc, en fait, évidemment, le premier piège, on s'est dit, dans lequel il ne faut pas tomber, c'est... la nouveauté, est-ce que c'est nouveau cette question d'engagement, etc. Donc la première question que j'aimerais poser, c'est en fait à partir de quel moment les musiques populaires se vivent comme des formes politiques, et en fait plus précisément comme des formes dont la fonction est de représenter des identités qui seraient minoritaires dans la société, qui seraient minorées. À partir de quel moment est-ce qu'il y a un commencement à tout ça, ou est-ce que c'est éternel? Comment est-ce qu'on peut envisager cette question-là? Je commence. Allez-y. Moi, je me souviens, j'ai lu Les Misérables il y a 2 ou 3 ans. Et il y a un super passage de Victor Hugo sur justement l'argot. Il fait une généalogie de l'argot, c'est extraordinaire. Et il parle de ces chansons populaires qui naissent de loin, qui naissent dans les prisons. Donc c'est quand même très ancien, en fait. Si on doit vraiment regarder l'origine du protestant, on n'arrivera pas à porter le regard vers les souffrances du passé, et peut-être que celles de l'avenir, on ne peut même pas les regarder en face. Il y a un bandit des grands chemins, un bandit d'honneur en France, dans les royaumes de Savoie et de Franche-Comté, qui s'appelait Mandrin, qui a aussi eu des beaux jours devant lui en termes de chants populaires, de protestations. Quand j'étais petit, je suis d'origine italienne et je me rappelle que j'allais chez mon oncle, qui avait une chanson de Bandito Giuliano. Le bandit Giuliano, c'est une espèce de bandit assez ambigu. Il y avait beaucoup de chansons sur lui. C'est un bandit sicilien qui était une espèce de Robin des Bois de l'époque, à la fin des années 40, qui a été ensuite assassiné dans des circonstances obscures. Bon. On voit bien qu'il y a quand même une ancienneté du processus. On voit même dans le protest song américain, vous avez quand même des ancêtres que personne ne peut donner la liste tellement elle est longue. On pense particulièrement à une des premières manifestations du protest song américain à travers une chanson chantée par Billie Holiday, que vous connaissez sûrement tous, qui s'appelle Strange Fruit. Si on peut la regarder, peut-être que ce sera intéressant de s'en souvenir. Bon, voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a par exemple Led Belly, un chanteur noir américain, un bluesman qui était sorti de prison par un grand historien de la musique noire américaine qui s'appelle Alan Lomax, et qui ensuite est devenu une vedette malgré lui. Et Led Belly, si on peut regarder aussi après, c'est un personnage. Il a quand même donné lieu à une énorme chance. Avant les Beatles, il y avait Lonnie Donegan qui a eu un succès extraordinaire dans les années 50 en Grande-Bretagne, et qui a atteint les têtes des charts, non seulement anglais, mais américains, avec une chanson dont je n'ai plus le titre en tête, mais qui est extraordinaire et que vous allez voir affiché à travers l'extrait de Led Belly, qui, si vous voulez bien le passer, permettrait de... On peut en discuter, oui, bien sûr. Oui. Alors, Rock Island, c'est le titre du... J'avais pas...
l'émotion d'avoir autant de monde en face de moi. Pourtant, j'ai l'habitude, je suis enseignant en fac, mais c'est toujours difficile d'avoir beaucoup de monde en face de soi. Donc, Rock High Island, c'est vraiment une chanson importante parce que c'est ce qui a implanté la musique pop, le blues. Bien sûr, il y avait le New Orleans avant ça, mais c'est ce qui a implanté la musique pop en Angleterre. Et si vous voulez, il y a eu tout un courant qui s'appelait le skiffle, que les Beatles ont formé un premier groupe d'ailleurs, qui était un groupe de skiffles. Donc ça quand même à l'origine de la pop musique en Angleterre, notamment, il n'y a pas eu que ça, mais donc ça explique aussi un courant. Puis ce que je voudrais juste faire une remarque, parce que je ne sais pas combien de temps j'ai pour parler, parce que tout le monde intervient. Hein, bon. Il y a cette logique d'esthétique quand même. C'est-à-dire, si Led Billy est capable de porter un message sur sa condition, ce n'est pas parce que seulement il a une origine d'opprimé. C'est parce que c'est aussi un énorme esthète, parce que c'est un énorme chanteur, et que Rock Island n'a jamais été aussi bien interprété que par lui, même si Lonnie Donegan en Angleterre a aussi eu un énorme succès avec ce morceau. Donc il y a aussi cette logique que je voudrais souligner. Ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on voit qu'avec les origines de la musique populaire et du blues en particulier, dès le départ en fait, c'est la politique et la musique populaire, ça va ensemble. Mais du coup, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment ça se fait que aujourd'hui, quand on a un morceau qui marche, quand on est une star de la pop, forcément, il y a un rapport un peu ambigu avec le public sur le fait de faire des morceaux qui portent une dimension identitaire ou des revendications. Agnès, je ne sais pas si... Comment on en arrive en fait, qu'est-ce qui a mal tourné pour qu'aujourd'hui, ça paraisse plus si naturel, là où il y avait le blues ou pour le blues, c'était consubstantiel. En fait, aujourd'hui, Beyoncé fait ça et on s'étonne. Je pense qu'on est héritier d'une sorte d'ère du soupçon qui peut-être, en un sens, arrive dans le monde de la pop avec la contre-culture où on se met à soupçonner l'industrie culturelle de manipuler les individus à travers ce qu'elle... Voilà, tous les produits divertissants qu'elle propose. Et la contre-culture, paradoxalement, c'est quand elle restitue ce soupçon-là, elle se fait l'écho d'un philosophe allemand qui est l'inventeur de l'expression « industrie culturelle », qui est Théodore Adorno et qui, lui, dès la fin des années 30, début des années 40, théorise cette idée d'industrie culturelle comme un paradoxe en fait, une industrie qui produirait de la culture étant composée d'œuvres d'art qui justement sont censées être uniques. Or l'industrie, qu'est-ce qu'elle produit? Pas du tout des choses uniques. L'industrie, elle produit des produits standardisés. Donc il y a cette sorte de soupçon sur l'idée que la modernité, cette modernité musicale qui passe par la musique enregistrée, donc pas la modernité musicale que défend Adorno, schönbergienne, liée à l'histoire d'une musique écrite, mais cette musique contemporaine qu'il appelle à l'époque la musique populaire légère et qui passe par les canaux de l'industrie culturelle, par la radio de l'époque, elle est complètement préformée par des enjeux industriels qui sont en fait des enjeux publicitaires et qui à la fin sont complètement contradictoires avec l'idée d'émancipation et de protestation politique. Et donc on va peut-être pouvoir regarder un extrait d'une séquence d'Adorno à la télévision en 68 à la télévision allemande où on lui demande de donner son avis sur John Baez. Donc pour le coup là on a une incarnation de la contre-culture, donc c'est plutôt une musique qui a tout à fait pris en charge la critique de l'industrie culturelle en un sens, mais la critique d'Adorno est tellement radicale qu'il estime que il y a même si on est John Baez et si on est une intellectuelle new-yorkaise consciente contre l'hégémonie américaine au Vietnam, eh ben on est quand même pris dans les raies de l'industrie culturelle et on n'a aucune chance finalement d'énoncer un propos politique pertinent à partir de là. Donc si on peut voir l'extrait, voir Adorno en cravaté, dire qu'il est choqué par John Baez. Il est pas très rock'n'roll. On peut du coup interrompre puisque on va... voilà. Donc ce que dit Adorno en substance à ce moment-là,
c'est qu'il trouve la chanson de John Baez insupportable. Donc, il, au lieu de justement de se montrer sensible à cette voix, justement absolument pop au sens où elle a ému, elle émeut des millions de gens et elle paraît tout à fait pertinente pour porter un message politique de paix et de voilà d'émancipation. Adorno dit que non, il est choqué et qu'il trouve ça effrayant. Pourquoi ? Parce que finalement, elle construit cette espèce de douceur, cette légèreté de la musique de John Baez, eh bien n'est possible que parce qu'elle évoque l'horreur absolue, qui est cette que toutes les exactions perpétrées durant la guerre du Vietnam. Donc pour Adorno, l'art ne peut absolument pas instrumentaliser une souffrance et la présenter ensuite de façon agréable ou légère. Pour lui, il y a vraiment cette idée que l'art exprime la souffrance. Donc il ne s'agit pas de dire qu'on ne peut pas exprimer la souffrance, mais il a ce soupçon, il jette ce soupçon sur le divertissement en général, qui est lié pour lui à la musique populaire, sur la standardisation en général, qui consiste à dire une musique légère, agréable, standardisée, ne peut pas porter de message politique. Donc évidemment, si on aime la pop, on peut être très agacé par ça, y compris par le fait que voilà, dans l'histoire de la musique pop, même l'idée de la partie et du divertissement, même la fête a servi l'émancipation. Donc il y a plein d'arguments à opposer à Adorno. Mais c'est intéressant de revenir à cette espèce de matrice critique dans sa radicalité absolue. C'est-à-dire, même si vous aimez John Baez, c'est condamner cette tentative de porter quelque chose de plus qu'un moment agréable à travers la pop est condamné dès le départ. Oui, je crois qu'on a tous un tonton Adorno aigri par la intérieur. Musique, qui n'acceptera jamais ce genre de choses. Mais donc, je pense que c'est important, qu'on revienne aussi à au fait que ça reste problématique tout en étant sans cesse dépassé. C'est peut-être ça aussi la dynamique de l'engagement dans la musique populaire, c'est qu'on sait que on risque à chaque instant d'instrumentaliser la cause plutôt que de la défendre. D'accord, donc je pense que ce qu'on peut dire jusqu'à maintenant, c'est que pour l'instant, on ne peut pas vraiment statuer sur le potentiel politique d'une musique. C'est sujet à débat, finalement, et donc ça prend place, je dirais, dans l'espace public, finalement, cette question de la politisation des musiques populaires. Mais du coup, les artistes pop, les vedettes, les stars, etc. Est-ce qu'ils tirent leur légitimité à parler de politique du fait qu'ils ont du succès ou parce qu'ils arrivent à l'esthétiser d'une manière particulière, ce que vous disiez tout à l'heure. Enfin, moi, c'est une question que je me pose fondamentalement, finalement, d'où ils tirent leur légitimité à représenter telle ou telle communauté, tel ou tel groupe, quoi. Allez-y. Je voudrais juste dire que Elie Wiesel, qui avait dit qu'après les camps de concentration, on n'était plus capable de faire de la poésie. Je pense que ça, Adorno, c'est-à-dire moi, il m'agace beaucoup Adorno, mais il ne faut pas simplifier, je n'ai pas dit que c'est ce que vous avez fait, hein, mais on ne peut pas simplifier ce que fait Adorno, c'est-à-dire qu'il essaie de... Je pense que Adorno aurait beaucoup aimé le black metal, je pense. C'est-à-dire que c'est un des paradoxes d'Adorno, j'ai toujours souligné, on en a parlé. Hein. Je pense qu'il est plus underground que les undergrounds. À la limite, il aurait aimé que ça soit trash, quoi, ce truc-là. Bon, après John Baez, c'était le Flower Power, c'était doux, etc. Mais elle disait des choses, effectivement, comme vous dites. Alors, je réponds directement à la question là de l'ambiguïté. Mais il y a une nécessité d'ambiguïté. Regardez, il y a eu une tentative d'un parti d'extrême droite en France, le MNR, ils ont réussi à mettre en place ce qu'on appelle le rock identitaire français. Quand vous regardez les rocks vraiment politiques, ils sont pauvres. Il n'y a pas vraiment d'esthétique. Franchement, on perd l'objectif. Donc on voit bien que pour que quelque chose devienne et une portée, il faut qu'il y ait cette marge d'ambiguïté esthétique qui est la marque des grands créateurs. Et je pense que ça, il ne faut pas le regretter, il faut en être joyeux. Par ailleurs, on ne peut que se réjouir que Rihanna puisse défendre cette espèce de logique minoritaire grâce à sa grandeur, à sa magnanimité, grâce à ses millions de dollars.
grâce à sa célébrité. Tant mieux que des gens fassent Bandhead ou bien les enfoirés parce qu'ils sont des vedettes et qu'ils importent de l'argent pour des gens pauvres ou qui meurent de faim. Il ne faut pas le regretter. Je ne pense pas qu'il y ait de récupération pour autant. Voilà. Mais en fait, là, on a vu que ce n'était pas nouveau, que John Bess déjà le faisait d'une certaine manière. Donc on a un peu relativisé les choses, mais est-ce que là, quand Beyoncé parle de son nez épaté et qu'elle commence à habiller ses danseuses en Black Panther, il n'y a pas quelque chose un peu nouveau qui se passe? Est-ce que c'est la même chose que le protest song et les porte-paroles les sous-cultures et le fait que le rock puisse prendre une valeur identitaire? Ou est-ce qu'il y a une manière de le faire en ce moment qui est un peu particulière? Je ne pense pas que ce soit nouveau ce que fait Beyoncé. James Brown, il a « I'm black, I'm proud to be black ». Je ne me rappelle plus du titre de cette chanson, mais il y a une chanson qui a eu un énorme succès dans les années, je crois, fin des années 60. « I'm black, I'm proud to be black ». Je ne sais pas si vous l'avez dans vos extraits que vous pourriez passer. Et James Brown a fait ça bien avant Beyoncé et avec grand succès. Donc, Agnès, tu es d'accord avec ça? Il y a une chose qui est remarquable, peut-être en termes d'évolution. Alors, je suis, voilà, toute la revendication, notamment au sein de l'histoire des musiques noires américaines, elle est ancienne, c'est sûr. C'est qu'on peut remarquer que John Baez, elle a cet esprit presque hérité des Lumières. Enfin, il y a un côté intellectuel new-yorkais, universaliste, qui s'engage pour les autres. À la fois, il y a l'idée d'une autocritique, l'autocritique de l'Amérique, et on s'engage pour des opprimés, mais qui sont de l'autre côté de la planète, et voilà, avec lesquels on se déclare solidaire, tout en n'étant pas identifié à eux, ni sociologiquement, ni ethnologiquement, enfin, ni ethniquement, ni religieusement. Donc il y a cette espèce d'universalisme, la cause, le folk, à travers en tout cas John Baez, elle est complètement généraliste. J'ai pensé aussi à la posture qu'avait par exemple Marvin Gaye. Peut-être qu'on peut passer un extrait de Marvin Gaye, qui était invité à jouer en 83, donc c'est une période où juste avant il était devenu complètement has-been, et puis il sort Sexual Healing, et là tout à coup il a à nouveau un grand succès. Et c'est au moment de l'anniversaire, de la Motown, et il commence en fait son show par un petit discours, donc si on pouvait le diffuser, où vous allez voir, il fait là encore une sorte d'histoire de la musique noire. Voilà. Il meurt un mois après, d'ailleurs. Singing the praises of our maker in joyous harmony and love. And part of it has to be the songs we sang, working under the blazing sun to help pass the hard times. Donc voilà, une espèce d'évocation. Ici de Bessie Smith, une chanteuse de jazz. L'esclavage, Louis Armstrong, les chansons folk, Ethel Warren, aussi une chanteuse de jazz, les rain parties. Donc voilà, toute une histoire. Il va ensuite évoquer les marches pour les droits civiques. Donc c'est à la fois, on a vraiment le chanteur en costume de show, complètement, voilà, cette espèce de magnificence de la star accomplie et du génie de la musique qu'il est. Et en même temps, c'est un sermon. Il y a quelque chose qui relève presque du religieux. Et ensuite, en fait, juste après ce discours, il va se mettre à chanter « What's going on ?» et dont, vous savez, les paroles évoquent, donc parlent, c'est brother, 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 mother, 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 father, father. Donc c'est l'idée d'une famille qui a souffert ensemble et qui justement s'interroge sur le devenir, sur sa condition et sur son devenir. Mais c'est la famille universelle, c'est à la fois la famille noire américaine, mais ça transcende aussi cette idée,
cette idée d'une, vraie, d'une, comment dire, d'une identité noire pure. On peut rallumer la lumière. Ouais. Même si la performance est, est très bien après, quand il chante What's Going On. Ce qui m'intéresse juste ici, pour répondre à ta question, Guillaume, c'est qu'il y a déjà cette dimension identitaire, peut-être un peu moins universaliste que la façon dont elle se présente chez Joan Baez, mais que ça passe par quelque chose de religieux, par une dimension gospel, en fait. Par une dimension, une sorte de mysticisme, parce que, bien sûr, c'est pas un religieux comme les autres. Marvin Gaye, c'est au moment où il sort Sexual Healing, voilà, c'est pas tout à fait une dimension mystique, en tout cas. Donc ça, aussi, c'est peut-être quelque chose qu'on trouverait moins aujourd'hui, ou moins dans le mainstream aujourd'hui, peut-être. Et du coup, en fait, c'est l'opposition, c'est entre une espèce d'engagement qui prendrait une forme universelle ou alors pour les autres, et un engagement qui se passe aujourd'hui pour sa communauté, enfin avec qui avec Marvin Gaye et pour sa communauté. Est-ce que je trouve que ce qui est différent là, c'est que quand on écoute son histoire, c'est une histoire de la souffrance noire, mais c'est une histoire de l'émancipation, c'est une histoire des acquis. Or le discours de Beyoncé, c'est on sent qu'elle voilà, ça se passe en 2016, parce que j'ai presque l'impression qu'il y a toute la médiation de la conscience décoloniale, et c'est une histoire de la domination, justement, à laquelle Beyoncé oppose une espèce de dette blanche envers l'histoire noire. Et à la fois, c'est extrêmement puissant politiquement, et en même temps, on a l'impression d'une sorte de captation, comme si tout à coup, il fallait rendre à Beyoncé toutes les souffrances qu'ont vécues tous les Noirs, mais juste à Beyoncé, quoi. Donc peut-être qu'à ce moment-là, oui, cette position mainstream qu'elle a, qui peut-être la rend légitime du point de vue de la race, mais on pourrait poser la question du point de vue de la classe, par exemple. Voilà, ou du féminisme aussi, elle trouve. Il y a aussi une logique féministe chez Beyoncé. Ouais, bien sûr. Mais par exemple, est-ce que ça gêne quelqu'un que Beyoncé soit une des personnes les plus riches aux États-Unis? Après tout, peut-être qu'on peut se sentir davantage solidaire avec entre pauvres ou entre classes moyennes entre noirs américains ou entre blancs. Donc disons que l'époque est très orientée sur deux identités assez déterminées, qui sont effectivement le genre et la race. Mais ça n'a pas toujours été le cas, comme vous le disiez, il y a des engagements qui relevaient aussi d'autres déterminations. Et excusez-moi, je voudrais juste qu'on passe, pour varier le débat, un extrait de la Carmagnole vu par les porte-manteaux, parce que ça montre qu'il y a aussi des luttes de classe. Il y a aussi des logiques de classe. Et que les déterminismes sociaux, quand même, conditionnent l'intériorisation des esthétiques. Et là, on voit bien à travers la Carmagnole, c'est vraiment les titis parisiens qui chantent la Carmagnole à la fin des années 80, au milieu des années 80, où on voit bien cette logique qui est complémentaire à celle que vous décrivez. C'est un de mes groupes que j'ai interviewé dans les années 80, quand j'ai fait ma thèse sur le rock. On voit bien là, c'est une logique totalement minoritaire. Je pense que c'est cette logique, notion de minoritaire, hein, ce que j'utilisais aussi dans mes modèles d'interprétation, les minorités actives. Alors, on peut être une minorité ethnique, on peut être une minorité féministe, donc de genre, on peut être une minorité de classe. Portmanteau, c'était des marginaux, des gens qui galéraient vraiment beaucoup, hein. C'est un lieu d'enquête dans le quatrième sous-sol d'un parking. Je veux dire, c'est pas. Et donc, il y avait cette logique-là aussi, quand même, qui est très importante. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je veux quand même dire deux ou trois catégorisations. La notion de justice et de lutte contre les systèmes de pouvoir, les revendications et les interpellations mafieuses aussi, tous les chants de bandits, mais au sens gangsta rap. Est-ce que c'est de la justice sociale, de la demande de justice sociale ou pas? Moi, je ne sais pas. Les chansons des narco-corridos. De tous les gangsters rap de la côte est ou ouest, les luttes contre les discriminations raciales, on en a déjà parlé, les postures de la lutte contre les complots mondiaux des rappeurs Kenny Arcana ou King Squat, est-ce que c'est de la revendication de justice sociale? Est-ce qu'ils demandent à ce que justice soit faite, finalement, qu'il n'y ait plus de complots mondiaux, que les Illuminati arrêtent de nous embêter?
Après, il y a cette logique de soutien, du renforcement en culture majoritaire. Vous avez les rappeurs qui ont voté pour Sarkozy, qui ont revendiqué qu'il fallait voter pour Sarkozy. Il y a tout un mouvement du rap qui est majoritaire. Il y a aussi tous ces mouvements à la limite du populaire, comme le style Manele en Roumanie, qui est une musique de Rome, mais qui est aussi très commerciale et très, très majoritaire. Il y a aussi une autre catégorisation, c'est la notion de catégorisation de groupes qui sont ouvertement engagés. Et on a vu les limites que ça requérait. Mais en même temps, il y a beaucoup de groupes Redskins qui sont excellents. Je pense par exemple au groupe qui s'appelle Stage Bottles, qui est excellent. C'est un très bon groupe. C'est un groupe de Redskins qui demande la révolution du prolétariat. Mais ils sont bons esthétiquement. Et on a ainsi toute une série de classifications qui déroutent vraiment tout le monde, tous les intellectuels, même les minorités elles-mêmes, elles ne savent pas vraiment comment organiser et catégoriser leur lutte. Mais c'est sur ça qu'on essaie de débattre. Est-ce que du coup, j'ai envie de poser une question, est-ce que la revendication politique, elle devient légitime si esthétiquement la proposition est de qualité? Du coup, ça voudrait dire qu'on attribuerait une légitimité politique à ceux qu'on juge bons artistiquement? On n'est pas dans un parti, là. C'est le problème de toutes les musiques populaires. Il y a des logiques minoritaires et des logiques de masse. Et c'est ces deux logiques qui articulent les créateurs, les producteurs de musique. Ils sont à la fois des logiques minoritaires et des logiques de masse. Ils articulent toujours ces standards et ces appropriations. Hein. Donc, ils créent des devises qui sont personnelles, qui sont originales. Si Led Billy a proposé quelque chose d'unique, c'est parce que dans le coin, dans le fin fond de sa prison, il avait une espèce de personnalité, un point de vue minoritaire, une vie privée qui l'a amené à créer quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour plein d'artistes, écrivains ou autres, le même problème. Mais là, on est un peu dans une époque où le minoritaire est tellement revendiqué, on sait tellement maintenant que c'est cool d'être minoritaire, que c'est la posture majoritaire. Enfin, oui, c'est ce que j'appelle le politiquement correct, moi qui m'insupporte. Ouais. Mais je veux dire que ça pose des problèmes esthétiques, justement, du point de vue, si on se réfère à cette dialectique, voilà, le minoritaire qui serait comme le négatif du majoritaire, et je vous suis jusqu'à un certain point. Et en même temps, voilà, je pense que quelqu'un comme Beyoncé, c'est quelqu'un qui est très conscient de cette dimension cool, justement, d'appartenir à une minorité. Elle amène une espèce de street credibility, là, mais alors qu'elle est plus du tout dans la street, depuis très longtemps. Donc, c'est là qu'on peut avoir quand même cette gêne aussi. Puis, si on reste, en tout cas, si on continue de considérer qu'est authentique ce qui est minoritaire, parce que finalement, le minoritaire, il est capté maintenant. Chassagné, il avait fait un livre il y a quelques années qui s'appelait Les lois du rock. La loi du rock, et il disait qu'en fait, il y a beaucoup de crimes. Dernièrement, on a assassiné une chanteuse américaine récemment, un admirateur, paraît-il. Il y a beaucoup de crimes dans le milieu du rock, du rap aussi. Il y a beaucoup d'agressions. Il y a même un de mes interviewés rappeurs qui me disait il fait des concerts, on lui piquait son micro pour chanter à sa place. Donc il y a cette logique aussi du porte-parole. Que personne n'accepte que l'autre soit le porte-parole de soi. Et cette logique de multiplicité, moi, ça me fait peur. Tout le monde a envie d'être porte-parole soi-même, d'autres, ou de soi-même. Simplement réussir à porter sa propre parole, c'est lourd parfois. Hein. Donc il y a cette logique du porte-parole qui... Enfin, qui, je ne sais pas si ça vous non, mais répond si, c'est, à votre... Oui, je pensais à la formule de Warhol sur le quart d'heure de célébrité. J'ai l'impression que tout le monde a son quart d'heure de discours aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Tout le monde peut avoir son Twitter, sa petite tribune. Et c'est vrai qu'en un sens, ça met un peu en danger la figure de l'artiste pop comme symbole, comme porte-parole d'une communauté. Puisque voilà, cette communauté, au fond, elle s'exprime très bien d'elle-même, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit qu'en fait, elle peut être légitime. Elle peut être vue comme, par exemple, Beyoncé, elle peut être vue comme légitime pour plein de dimensions et illégitime pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, elle est populaire, donc elle a le droit de parler de politique, mais non, en fait, parce qu'elle est trop riche. Elle est américaine, donc en fait, elle a le droit de parler pour l'histoire des États-Unis et des droits civiques. Mais en même temps, dans quelle mesure c'est la sienne, on peut vraiment la ramener à elle. Est-ce qu'elle elle assume pas trop, surtout dans son clip où elle fait défiler vraiment beaucoup de références, donc au bout d'un moment. Et puis, c'est des,
c'est des références passées, donc déjà digérées, etc. Est-ce que elle devrait s'emparer de choses plus proches, plus près d'elle ? C'est tout à fait respectable. Moi, je respecte. Hein. Qu'elle ait aussi des problèmes avec son mec, ça aussi, ça émerge dans ces certains. Et puis, il y a la question plus identitaire, c'est-à-dire que voilà, est-ce qu'elle peut parler au nom des Afro-Américains dans leur ensemble ? Est-ce que c'est ou comme féministe, est-ce qu'elle était plus crédible comme féministe que comme noire ? Sur tous les terrains, on peut lui retrouver de la légitimité ou de l'illégitimité, en fait. C'est voilà. Tout à fait intéressant. Ouais. Ce que je propose, c'est en fait, on réfléchit beaucoup à partir du cas américain, en fait, c'est ce que j'annonçais tout à l'heure. C'est un peu étonnant, d'ailleurs, de voir en France que dans la presse, évidemment moins qu'aux États-Unis, mais on se met beaucoup à parler de... Enfin, il y a eu beaucoup de choses sur, par exemple, le féminisme de Beyoncé. Alors qu'on a, nous aussi, notre variété française, notre R&B français, notre rap français. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas ce genre de prise de position dans la musique mainstream française, ou est-ce que c'est plus facile d'en parler quand c'est les exemples américains, parce qu'on est plus à l'aise, c'est plus loin, c'est cool là-bas, il y a les gender studies qui sont plus vus comme quelque chose d'américain, etc. Donc pour en parler, en fait, on va demander à Karima Ramdani et Émilie Lesterie de nous rejoindre sur le plateau.